l'impression, j'ai l'impression que PM Ariel Henry, il n'y a pas de conseiller juridique en matière de la politique. Un premier citoyen de la nation, pas pour lui, non, mais il manquait pas de conseiller juridique. Il aurait dû répondre cette question d'une autre façon. Il y a plusieurs façons de répondre à la question. Il n'est pas menti, non, mais il mal abordé la question. Il mal abordé la réponse là. C'est zéro barré dans la question. Il y a la théorie sur le structuralisme. Il y a un gros écrivain, Lévi-Strauss, qui dit que il montrait qu'il y a toujours un non-dit dans un discours. Il y a toujours un non-dit dans un discours. Cela veut dire que là où il dit ça, pour les yeux du public, pour les yeux du peuple, il y a un peu de menti. Mais pour moi, tout est menti. En tant que PM, en tant que Premier ministre, on ne peut pas supposer pour une nation ça. On ne peut pas parler comme ça. Et puis, que l'autre nègre là, l'autre citoyen qui est ministre de la, qui était là, qui a un problème avec des affaires femmes, ça m'a très bien. Lui, il répond encore, mais ça c'est zéro barre, il n'y a pas de politique. Or, il y a la théorie sur le secularisme, mais ça veut dire. En tant que président, en tant que PM, il n'y a pas de cas dire oui, effectivement, il n'y a pas de cas dire non. Il n'y a pas de cas dire non, il n'y a pas de cas dire oui. Mais par exemple, s'il dit oui, que bandit prend espace là, cela veut dire, s'il dit oui, bandit prend espace là, ça démontrait que effectivement la faiblesse de l'État. Ça démontrait effectivement qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Est-ce que vous comprenez? Or, dans le discours ça, Lydia, là où elle dit que pas de bandit qui prend par la justice, et pas fait lui, mais par contre comment il répond à la question. Mais comment il a dit oui, de fait que ça a existé, en tant que l'État, nous allons prendre des mesures appropriées pour remédier à cette situation. C'est ça qu'il a supposé dire. Parce que, mon autre façon, il a dit encore que journalistes, vous constatez effectivement qu'il y a des hommes armés qui ont accaparé, donc qui prend par la justice là. Il a dit que nous allons essayer de remédier à cette situation. Même les guerres à travers le monde entier, il y a guerre. Aussi, l'armée a constaté abandonner la zone côté hier, après ça, récupérer encore. Il y a toujours des fêtes. Mais l'or était carrément au dimanche. Et puis que, ou pour pas dire, puis l'autre gros gorille là, l'homme dit gros gorille là, l'autre ministre de la justice là. C'est un gorille pour moi. C'est un gorille. Il va même défendre le premier ministre de la justice là. Oh, c'est le premier ministre là. Son gorille, monsieur. Oh, l'EF dit non. C'est pas vous poser la question. Et puis le ministre même, il pense que son bel arrivé. Oh, monsieur, dénigré le ministre là. Mais c'est ce qu'il a supposé dire. Il a dit que vous n'avez pas été bien réformé. Okay. La question que vous avez posée au ministre a été mal posée. Oh, effectivement, là où il dit oui, effectivement, que certains hommes ont pris d'assaut le palais de justice, nous allons remédier cette situation. Et il a dit que la défaite du droit est toujours provisoire. L'État ne peut pas succomber. L'État quand même va survivre. C'est ça qu'il a dit. Il dit l'autre bagaille. Et mon tien m'a profité de ça, Miko ça. Mais cependant, je dis à Maïsa, ou est-ce que parfois, quand je me suis dit qu'on a parlé de La Fontaine, je ne vais pas gagner avec le commissaire La Fontaine. Je ne vais pas dire que La Fontaine. Même si nous n'avons pas, ouais, effectivement, qu'en tant que tel, et La Fontaine est pris dans un étau. Et La Fontaine est pris dans un étau, il ne peut pas faire autrement. Ou pas comme si le Premier ministre dit que pas un bandit qui récupère, qui dépend l'espace là. On va connaître si c'est un commissaire gouvernement qui mourit, qui mourit, et si on a un mal, on va attaquer un bandit, on va connaître le ministre qui a révoqué. Mais la politique pays d'Haïti, à partir de aujourd'hui, même après de sa ministre, je ne vais presque pas parler de la politique pays d'Haïti. Je me saisis retourner. Parce qu'un chef d'État ne peut pas prononcer un tel mot. Un chef d'État, pas qu'à parler comme ça. Un chef d'État, il faut qu'un conseiller juridique, il aurait dû soit pas répondre aux journalistes là. On dit oui, effectivement, que la défaite du droit est toujours provisoire. Nous allons remédier la situation. Oui, effectivement, que les bandits ou les hommes armés ont envahi cet espace.
mais nous allons employer des moyens forts comme l'État. C'est ça, l'Orient de Kamou vous dit non, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Le Premier ministre n'est pas capable de parler comme ça. Dans le discours, la force n'est pas capable de dire gros livre. Dans la théorie de la structure et l'organisation de Lewis Strauss, qui voulait dire qu'il y a toujours un non dit dans un discours. C'est ça fait que dit ça. Mais après, c'est que ben, monsieur et Zéro Barré dans le discours. Et puis, l'affrontant, il ne peut pas agir outre. Et m'a dit, le commissaire Lafontaine me dit ça publiquement. Et publiquement. Et si quel que soit le commissaire gouvernement, quel que soit mon gars qui a essayé de parler sur le discours, premier ministre a fait un après vous. Ok? Parce que quel que soit mon gars qui a essayé de parler sur le discours, qui chef parler sur le discours, et le premier ministre a pris beaucoup. Ok? Il y a un peu de monde après la déclaration de PM, il dit effectivement, selon vous même, PM a des connivences avec vous même, vous partagez ma vie comme ça? En tant que chef d'État, mon chef d'État, mon premier ministre, on va supposer parler parole au pays. Oh, va parler, faut conseiller, faut mettre l'eau glacée, faut mettre l'eau avant pour la ria. Monsieur, c'est à lui de se défendre. Mais moins doux comme ça, moins doux comme ça, et discours je vais ça dit là, c'est on partit d'une réalité. Mais les gens réalisent, c'est dans des mondes qui, ouais, Mandou Lewis Strauss, de sa théorie sur le structuralisme, a montré qu'il y a toujours un non dit dans un discours, étant un acte de langage. Cela veut dire que, monsieur parlait en tant qu'homme d'État, il combat est caché. Il ne va pas parler en tant qu'un diplomate. Non, il ne va pas parler comme diplomate. C'est là le problème dans ça. C'est là, bon, voilà le mot qu'il allait dire. Faut diplomate, faut qu'il ne parle pas comme ça. Mais c'est à partir de ce moment-là. Moi, je ferme à tout parler. Je n'ai pas rien pour me dire contre la Fontaine, non. Je n'ai rien à reprocher à, ni à la Fontaine, ni à doyen tribunal civil. Civil. Moi, je n'ai rien contre M. Zao. Parce que, effectivement, si le Premier ministre commet une bêtise comme ça, un discours comme ça, ou en affaire avec le peuple, et pas toute parole ou parler. Ou t'as qu'à dire parole, ou pas parler avec le peuple. Le peuple a parlé de l'autre façon. Il y a une façon de adoucir moi, et puis l'autre gros gorille là. Hein, le gogo la ministre qui était là, gogo là, il dit, ah, qui question ça va dire? Au lieu, il t'a cherché un moyen, rabattre question, trouver, question, journaliste a posé, ministre, il dit, ah, qui question ça va poser, ministre? Non, il a dit, la question a été mal formulée. Oui, effectivement, qu'il y a des hommes armés qui renversent le palais de justice, mais nous allons essayer de remédier à la situation en tant que l'État. La défaite du droit provisoire, l'État a toujours, même si son gorille. Mais comment on parle de justice, puisque il n'y a pas de prévoir le tribunal section, c'est la palais à ta venir. Pas oublier, il y a des décanal, en plus, le monde a plein, puisque l'espace est trop petit, mais quand on a tout le paquet, c'est en plus d'informations, c'est là tout le monde oublié. Comment ça? Je m'oblige à accommoder ma situation en tant qu'avocat. J'ai des clients, j'ai des dossiers que c'est l'État qui fait ça. Mais même, moi, ça va bon, mais après, c'est que l'État ne veut pas mourir. Quelque soit côté où tu mets l'État dans le petit corridor, ou obligé pour l'État de servir. Mais logistiquement, il n'est pas bon. Mais à la signe, il y a toujours un mandat, toujours une exécution, toujours un bail. Or, normalement, après, c'est que ni commissaire gouvernement, en parlant de la rapporteur, ni droit de la civile, qu'il ne fait exécuter les ordres du gouvernement. Il va faire ça, l'État. Il va qui contre l'État. Il travaille pour l'État. Or, si on parle là, la justice même, contre même. Or, moi-même, je finis par rendre compte. C'est pas ni Bernard Civil ni droit et tribunal. Qui côté bureau? Ils sont bouillés. Qui côté bureau La Fontaine pour le moment? Bon, nous bagaille. Même si le commissaire La Fontaine pas de bureau, même si c'est dans machine était chez ta depuis sinon à la bureau. C'est pas bureau qui fait l'homme. OK, c'est acte l'assassinat. Tant que il commissaire gouvernement pour qu'il a la cali les bons services. On lit même quelqu'un qui donne un bon pied pour un bon service. C'est le commissaire du gouvernement. À tout moment, à tout l'heure, où est le commissaire du gouvernement supposé well. OK? Ce n'est pas le bureau qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait son œuvre. Alors quelque chose à côté du commissaire du gouvernement, il n'y a pas de problème. Parfois, il parle dans la section sud-là, parfois il n'y a pas de national, parfois il est dans la RIA, parfois il est partout. Mais après, c'est qu'il a frappé. Moi, je n'ai pas de problème avec lui, même il a frappé depuis avec le président. Même si le commissaire du gouvernement n'a pas de bureau, il était là, Cali, mais depuis fait travail en tant que tel, nous n'avons pas de problème avec lui. Ça fait un bon petit temps de demander plein d'idées pour la récupérer par la justice, ça va bien. Ah, c'est une belle question. Pour le peuple là, si le commissaire a fait un mal,
il a répondu à une question, ça, il a demandé blindé, ou pas blindé. Qui est le commissaire de la Fontaine dit non. Il n'a pas dit que des hommes qui ont envahi l'espace. Si le commissaire de la Fontaine est mal, il a deux son propre chef, une autorité, il fait, il tue les gens en bas, il faut arrêter, il ne faut pas qu'on ait révoqué. Ah, aussi. Bon, si le premier ministre dit que vous avez un bandit, mais le commissaire du gouvernement a agi, il s'est passé. Le commissaire du gouvernement, c'est le représentant de l'exécutif, oui. Il a travaillé pour l'exécutif là. Il a travaillé pour le gouvernement. Pour le gouvernement. On signe mal, il a agi contre à sa personne, il va dire Mogel. Il va dire Mogel. C'est pour ça que je dis que le commissaire du gouvernement, prenez des précautions, puis qu'il n'y a aucune déclaration concernant ce qui passé. Or, en tant que chef de la police pénale, il avait bien agi. Il était écrit, il était demandé concours, heureusement, il était adressé à supérieur hiérarchique, il était demandé. Si vous n'avez pas fait travail, c'est pas lui, c'est pas le commissaire gouvernement, c'est pas droit. Oui, merci maintenant. C'est un plaisir pour moi aussi. Okay.